Et yop là, bonsoir à tous, bienvenue sur stream. C'est Jean-Georges, toujours pas la fibre. Eh non, dans 2 mois maxi. En gros, maintenant j'ai le boîtier chez moi, j'ai le boîtier dans mon salon, la fibre est tirée. Ceux qui sont en train de terminer, de déployer partout dans la ville en fait. Et en gros, après, il laisse 3 mois après la fin des travaux pour que tous les opérateurs puissent se positionner, quoi. Donc là, ça fait un mois à peu près, donc il doit rester 2 mois maxi, quoi. Voilà. Mais ça approche, ça approche, ça approche. Du coup, en programme ce soir, donc découverte de Fantasy Blacksmith. Alors, j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas. Ça me rend pas intrigué. En gros, on va jouer un apprenti forgeron qui va devoir honorer des commandes. Donc, on va forger différentes armes. Voilà. Donc, il y aura des sortes de mini-jeux. Donc, on pourrait trouver des minerais pour pouvoir frapper le métal, etc., etc. On va voir ça tranquillement. Roger pour un forgeron, c'est bien. Oula, but, je vais être le meilleur forgeron de cette terre. Je vais être en haut de la liste, mais ce ne sera pas facile. Je vais devoir comprendre comment forger, mais aussi comment extraire les matériaux, enchanter, tisser, apprendre l'art des runes. Et je serai enfin le premier de tous les forgerons. Eh ouais. Alors je serai sans le S, évidemment. Moi qui pensais voir un beau stream en 1080. Ah non. Et honnêtement, même quand j'aurai la fibre, je pense que je streamerai en 720, 300 FPS. 300 FPS, oui, 3000 FPS. Non, 720, 60 FPS, je pense. Enfin, je verrai, mais je penserai déjà pas mal, quoi. Alors, cette cuisse pour se déplacer. Alors, les mains, c'est 1, tenaille, c'est 2. Ou Q, tab, affiche la quantité d'argent, la réputation. R ou 3, prendre la pioche et tue là. Affiche le menu du personnage. Prends les thermomètres et tue là. Un coup d'épée. Oh, putain, j'espère qu'ils vont leur en reparler en jeu parce que. Hein, quoi? C'est la ferme dans laquelle tu peux créer avant. Ouais, super. Ça fait surveillance, tu ramasses la plupart des objets en appuyant sur E. Alors, tu fabriques des armes. Je pensais qu'il y avait un tuto en fait. D'accord, donc effectivement. Alors, reste appuyé sur Tab pour voir ton argent. Donc, j'ai pas de répute, j'ai pas de points de compétence et j'ai 500 pièces a priori. Ouais, très bien. Suivez flèche pour fabriquer la première épée. Attends, j'ai pour faire mes coups. Alors, ça. Alors, utilise la carte pour achever un lingot de bronze, écrit Frugrin, utilise plus pour définir les matériaux utilisés. Et pour acheter un lingot de bronze, pardon. Village. Donc 700 à 870 pour forger le bronze et pour le fondre, c'est 970. Attends, je comprends là. Enfin, c'est moi qui suis débile ou Ouais. Ah, plus. Ok, donc bronze, on a dit. À jeter. Eh bah toc toc toc, c'est super toc toc toc, mais toc 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 où? Voilà évidemment. Ah mais c'est en haut peut-être. C'est très bien possible. J'avoue que là ça commence mal.
Ouais, d'accord. Donc plus toc-toc. Non, mais j'aimerais bien pouvoir forger à moi une épée, ce serait cool quand même. Putain, je peux plus avoir l'aide qui était écrite juste avant là. Tutoriel. Je me tasse, tu travailles. Non, ouais, mais non, mais je vais acheter les trucs là. Putain, c'est en gros, ils m'ont dit de prendre du bronze, d'accord. Ils m'ont dit de mettre plus. Ajouter. Et là, du coup, j'ai rien dans mon panier. Attends. Donc ça, c'est tous les trucs que je peux acheter au village, apparemment. Ah, je peux peut-être choisir ce que... Et là, pourquoi je peux pas? Je n'habite rien, pas se mentir, Donc là on peut voir le style d'épée que je peux faire avec, mais... Ok. Ouais, but super, métaux. Ouais, on est content. On va faire un nouveau slot. On va essayer de voir, on va essayer de relire à mieux les indications là, mais. Bon, voilà. Voilà, donc tab, super, puis sur Y. Ah, ça c'est bon. Suis les flèches. Ouais. Alors, utilise la carte pour acheter un lingot de bronze et fabriquer un modèle. Utilise plus pour définir un matériau utilisé. C'est ça que je veux, quoi. Mais je comprends pas quoi. Alors c'est pas forge, mais en même temps j'ai que forge, donc je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ah non, là il peut le mettre. D'accord, alors là il m'a ajouté des trucs. Mais moi je voulais le lingot, je voulais pas le machin. Pourquoi le lingot je peux pas l'ajouter? En fait, si je clique sur lingot,
Il me met dans... ça me met rien. Par contre, les machins là, si je veux, je peux les ajouter là. Il le met dans le panier. Donc là, on peut vider le panier, d'accord. Et pourquoi le lingot, je peux pas en acheter? Putain, mais ça me rend fou. Ça me rend fou. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Elle va se retrouver une vidéo sur YouTube parce que je. Ça a l'air fabuleux. Bah ouais, je t'avoue que j'arrive même pas à faire le premier truc. Merde, évidemment, je suis en. Voilà. Ça au pire. Alors comment ça marche? Est-ce que... Ouais, si... Allez voir, hein, s'il a la même quête que moi, hein, alors. Ah, mais il a pas pris sa quête, putain, mais. Ah, si, là, il l'a pris, alors. Ah, il clique sur forge, ah, il clique sur le machin de bronze. Il arrive sur le machin de là. Et là, il est comme un con, comme moi. Mais d'accord. Et pourquoi il peut faire ajouter l'épée là? Attends, je regarde une vidéo. Ah merde alors, lui il pouvait. Oh, attendez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait. En gros, le mec il a fait ça, là il a commencé à mettre des pièces, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Ni plus ni moins. Et pourquoi je peux pas faire ajouter épée, bordel? Bah lui il a un truc où il peut faire, enfin là il peut faire ajouter l'épée quand il est fini. Bah je sais pas. Ça, j'ai fait toutes les parties, hein. Il n'y a pas d'autres parties de l'épée, hein. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça.
Non, c'est les plus, c'est pour ajouter des trucs. C'est pour ajouter des finitions, on va dire. Je vais mettre ça, mais. Putain, mais si en plus. Ok, d'accord. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Ouais. Alors, prends une caisse de charbon et lance-la dans le fourneau pour augmenter la température. Appuie sur E ou clique sur gauche. Alors, une caisse de charbon. Place le lingot dans le fourneau. Appuie sur T lorsque tu tiens un objet en main. Ah. Ça peut dépasser les 700 degrés. On sait comment du coup, comment il est là? Trop chaud, il faut la tenaille, ouais, d'accord. Comment il est. Oui, on fait quoi avec le thermomètre? Ah, ok. Je suis à 500 apparemment. Quand pour le poser le thermomètre maintenant. Ah. Voilà, c'est bon. Tu veux utiliser la pince si le lingot ou l'épée dépasse les 100 degrés. Appuie sur 2. Ok. Place le lingot dans le fourneau. Puis. Ok, appuie sur I ou Q pour ranger la tenaille. Appuie sur E pour l'enclure. Quand ça forge, je serai la barre qui est en haut à gauche de l'écran. Ah, attends. Est-ce que ça fait quelque chose là? Ça va rien faire, on est d'accord. Ça fait ding ding, effectivement. Genre là, je pense en fait, faut que je remette de loin, quoi. Alors, en fait, je pense faut que je. C'est vrai que c'est parti de ta. Non. Ok, c'est sûr.
Ah, c'est pas possible, je suis complètement con, voilà. Je galère pour tout, là, on est d'accord. Putain, mais... Sérieux qui pourra j'atteindre, ouais d'accord. C'est encore un. Ah voilà, là il y a l'espèce des trucs. Et du coup elle est déjà trop trop franc en fait. Ah, ils m'ont mis la pression en me disant que le truc il risquait de fondre si. Ah, en fait, faut juste que. En fait, vu que le texte il change dès que ça dépasse le machin. Non, mais effectivement, je pense qu'il faut juste que je le laisse un peu et puis on va attendre. Merde, quoi, il est où? Oh non, merde! Bon bah, dommage. Je croyais qu'il y avait un truc qui était excellent en fait. Mais... Et il est encore rouge le truc, tu vas pas me dire que c'est déjà fini là, si? Cette purge! Mais pourquoi ça fait rien là? En fait, le jeu, tu joues en forgeron et t'as différents mini-jeux pour faire des trucs, quoi. Donc là, c'est les mini-jeux de la forge. T'as un mini-jeu pour aller choper du minerai. T'as différents trucs, quoi. Voilà, non, bon, allez, je crois que ça y est, ça a abusé de ma patience déjà. Après, c'était juste moi qui suis débile et qui comprend rien, attention, hein, mais là quand même. Pourquoi ça marche pas là?
Ah, et ben là, du coup, il n'y a plus de feu parce que. Mais non, mais. Oh, t'as vraiment. Allô? Mais. Bah, je pensais que ce serait quand même vachement pénible, au moins pour le premier truc, quoi. Tu vois, autant qu'il y ait des crafts un peu. Mais là, c'est le. Putain, mais ces panneaux là qui prennent tout l'écran à chaque fois, mais c'est juste infâme, quoi. Allez, go, on est parti là, on y croit. Et j'aimerais bien faire au moins une épée, quoi, histoire de. Mais pourquoi ça? Voilà, c'est bon. Ah, voilà, mauvais. Bravo. Bah voilà, on va quand même aller. Je vais quand même essayer de crafter une épée, voir si on a le mini-jeu d'aller chercher du minerai, je sais pas quoi. Et puis je pense qu'après je pourrais racheter de la jouer à la bonne humeur. Mais j'imagine ça vachement plus fun hein, quand même, hein, clairement. Alors, là. Pourquoi ça fait rien là, putain? Ok. La 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 la. Ah, c'est quoi, il reste là, taper un peu. Ouais, bonne. Merde. Ok. Bon, maintenant je suis assez content de ma truc, j'en fais quoi? Okay. J'en fais quoi maintenant? Ouais, je.
Non, je suis puni parce qu'elle est toujours pas, elle est pas assez intéressante. Bon bah, ok, très bon. Peut-être on va. Dommage, en plus, t'as vu aucune concurrence, tu chopes tous les viewers tu te pour ça. J'avoue. Je préfère du Walsall, il a pu avoir grand monde encore. T'as testé d'ailleurs Jean-Georges Walsall hein? J'imagine que oui, enfin si t'as eu le temps, je sais pas. T'as perdu ta save, hein. Elle était là et pouf, elle a disparu. Enfin c'est le jeu qui te l'a mangé, j'imagine. Alors, voilà. Bah du coup c'est que moi je voulais plus vraiment la forger en fait quoi. Ah, le temps venu de tremper les pelouettes chaudes. Et voilà. Là, on est bien, là. Ok. Et maintenant? Oui, et... Ah. Ah, quoi que, j'ai rien compris. Utiliser de l'eau pour éteindre le feu et cogner le charbon. Ah, d'accord. Alors, attends. La lame est trop froide, mais oui, bah, très bien. Oui, on. Putain, on fait comment pour le saisir, le machin là? Bah ouais, j'aimerais bien utiliser l'eau, mais je sais pas comment on la prend. Eux, ça marche pas. Là, je vais jouer en multi, je me suis retrouvé à l'acte 3 au lieu du 1 avec mon level. Ah bah oui, ouais. Non, en fait, en gros, c'est. Ouais, c'est ça. C'est si t'as le malheur de jouer avec un mec qui est plus avancé que toi, et bah, c'est marrant. Pourquoi je peux pas le saisir ce truc pourri là? Contrôle, la pioche, thermomètre, coup d'épée, horloge, non, contrôle, interagir. Bah ouais, mais pourquoi ça marche pas alors? Non, ça devrait être E ou clic gauche et l'un comme l'autre ne fonctionne pas. Et le truc, c'est que tant que j'aurais pas fait ça, je vais pas pouvoir faire la suite. Putain, et je peux prendre tout ce que je veux, hein. Je peux prendre l'épée, je peux prendre des machins, mais je ne peux pas prendre. Je peux avoir ça aussi, je peux avoir l'autre truc. Mais ça, je peux pas. Le problème c'est que bah, tant que j'aurais pas fait ça, il va me gonfler en me disant que bah, je peux pas accéder à la suite parce que j'ai pas fait ce qu'il me demandait. Puis on peut attendre que ça s'éteigne tout ça là, mais bon. Pourquoi je peux pas le saisir? Ça rend fou.
C'est bon, il s'est arrêté le feu. Là, tu peux passer à la. Hein, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, bah. Pas que le jeu est vraiment pas. Hein. On va jouer avec ça, appuie sur C pour tourner la roue. Alors attends. Place les pièces de la poignée sur la table d'assemblage. Attention. La table d'assemblage, elle est là-bas. Et toi, t'en penses quoi de Walsan? Bah Walsan, honnêtement, je suis vraiment admiratif du taf qu'ils ont fait en termes d'enrobage. Je pensais sincèrement pas qu'ils rendraient un taf aussi propre. C'est graphiquement, c'est magnifique, les animations sont classe aussi, les effets de sort sont bien foutus, je trouve que les impacts sont bien rendus, etc. Par contre, le jeu est pété dans tous les sens, quoi. Il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, il y a des bugs dans tous les sens, des valeurs qui veulent rien dire. Hein. Et en gros, bah, plus t'avances dans le jeu et plus tu te rends compte que bah, c'est frustrant, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui marchent pas, en fait. Des nœuds dans l'arbre qui font rien, des compétences qui sont complètement fumées ou plutôt inutiles. C'est ouais, c'est vraiment dommage. En plus, je trouve ça sympa aussi le truc qu'ils ont fait pour le endgame, là, de fait de mettre une petite ville à reconstruire. C'est plutôt rigolo, quoi, là. Comme ça, t'enchaînes des failles, mais au moins, t'as un petit quelque chose en plus. Mais ouais, ce qui est frustrant, en fait, surtout, c'est vraiment le fait que bah tout fonctionne pas, quoi. Et on fait quoi après? Ouais, je suis content, j'ai mis ça, et. Il m'a dit de faire quelque chose après ou pas, machin, là. Ok. Attends. Ok. C'est vrai qu'Ibrel est trop bien efficace en endgame et quand c'est fumé, ça se fait naf, alors que le reste se fait pas modifier. Non, après, honnêtement, là, ils ont un taf de. Ils vont avoir un taf horrible. Enfin, ils ont vraiment un gros gros taf pour le jeu, quoi. Pour améliorer tout ça. Après, c'est dommage parce qu'en vrai, je pensais sincèrement pas qu'ils feraient un truc aussi propre au final, quoi. Mais tu sens bien comme que la fin a été bien bien rushée, quoi. Je pense que. Le troisième acte, tu sens qu'il est en dessous des autres quand même, quoi. C'est. Putain, de remonter et vendre l'épée. Ah oh bah, et carrément. Voilà, mec. Si je peux la vendre. Franchement, il y a quoi? 45 minutes pour faire une épée. Honnêtement, je suis plutôt content. Et. L'éclair arrive toutes les 3-4 minutes. Bon, et. Elle est belle ou elle est pas belle, mon épée? Elle ressemble à rien, quoi. Very bad, 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 cheap. Oh la vache, je m'attendais pas à ça. Hey bro, I want to buy a cheap sword. À moins de 300. Oh bah carrément mec. 118 pour. Bah vas-y, allez. Trois skill points, 118 pièces. Aïe, I want to buy a cheap sword below. Do you have that one? Bah non, j'ai pas. Ok.
Le tutoriel est terminé. Tu as fabriqué et vendu ta première épée. Continue à jouer pour pouvoir appliquer un effet magique à ton épée en utilisant la table magique, créer des potions et changer de matériaux grâce au chandon magique. Tu pourrais aussi jouer au dé avec les clients et découvrir d'autres lieux et objets. Oh putain, mais j'ai hâte. C'est ça aurait pu être sympa pour les joueurs de débugger des trucs qui marchaient pas et appeler ce qu'ils faisaient sur le nerf de ceux qui ont trop pété et tout. Ça aurait été bien de tester leur endgame. Ouais, mais en fait, ça c'est vraiment un problème, c'est que. Je comprends donc qu'ils aient pas eu envie de montrer leur build avant tout le monde. Mais le problème, c'est qu'ils sont passés d'une early access qui a duré super longtemps, où t'étais limité au level 20, avec les deux premiers cercles seulement, et encore t'avais même pas tous les trucs et tout, à level 90, plein de nouvelles skills, plein de nouvelles runes. Et pareil, les runes, au début, j'étais assez chaud sur les runes des sorts, je trouvais ça cool de pouvoir les paramétrer. Mais finalement, quand tu regardes un peu, tu mets souvent les mêmes choses en fait, finalement, au niveau des runes, quoi. Je suis pas si certain que ça, que finalement, pour un sort donné, t'as deux joueurs qui vont mettre des runes différentes, quoi. C'est encore parti sur Wilson. Bon, on discutait vite fait, il y a Jean-Georges qui m'a demandé, c'est moi qui lui ai demandé s'il avait testé Wilson, et il m'a demandé ce que j'en pensais, quoi. Et il y a Furious qui a fait un slash désinstall et qui disait. Ah non, mais en plus, on vient d'en parler, genre, il y a même pas 5 minutes, quoi. Jusqu'à présent, j'essaie de comprendre le jeu, comment il marchait. Parce qu'honnêtement, j'ai mis voilà, 45 minutes pour faire une épée. Et là, je peux pas cliquer sur continuer. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Sérieusement. Je peux pas jouer à jeu. Ah. Je peux pas faire cliquer sur continuer. Mais sérieusement, putain, mais c'est pas possible. Ok, bon, alors donc on est là. Tac, tac, tac. Voilà, on va mettre du not disturb, pas qu'ils me cassent les noix, les mecs. Hop. Bon, maintenant qu'on sait comment faire, on va essayer de faire. On va essayer de faire une vachement plus vite là. Allez, on va refaire une deuxième. Installer le Joya, puis réinstaller, puis finalement redéinstaller le soir pour faire de la place pour mettre Grimdon. Ouais, j'avoue que le petit mode Grimdon Diablo 2 là, il me fait de l'œil quand même. Alors, j'ai 463 en banque, donc j'ai moins de thunes qu'au départ. Ça, c'est beau. Forge. Alors, faire une épée en bronze, hein, voilà. Alors là, voilà. On va la faire comment? On va la faire. Comme ça, là on va mettre une poignée comme ça, là on va mettre un truc. Voilà. Hop, hop, voilà, par exemple. Très bien. Ajouter un lingot. Putain, mais là je peux ajouter un lingot. Donc voilà, donc là maintenant je peux ajouter un lingot dans mon truc. What the fuck? Ok, bah je. Ok, bon bah tout à l'heure je voulais ajouter un lingot, mais je pouvais pas, maintenant je peux. Mais tout à l'heure il n'y a pas le truc ajouter un lingot en vrai. Alors on va mettre quoi? Iron ou ok, allez on va mettre Iron. Avec du chêne et Iron à nouveau. Allez, paf, ajouter une épée. Bon, elle va me coûter 140 boules, hein, l'épée, donc. Vas-y, hop, tac. Delivery time, 30. Ok, donc là, la commande elle part, mais par contre, il va falloir que j'attende d'être livré alors. Du coup, tant que je suis pas livré, j'ai rien à faire en vrai. Ouais, voilà, donc c'est bien ça. D'ailleurs, il était bien buggé le truc, hein, parce que là, tout à l'heure, j'aurais pu complètement l'éteindre. Hein. Mais tout à l'heure il voulait pas pour X raisons. On peut voir où l'on est, mais comment. Ah non, mais en fait, oui, ça sert à ça la montre, j'imagine. Alors j'ai eu quoi là-dedans? Yes, j'ai tout. Wouh! Allez, c'est parti. Alors là, attention, sous-vissiers ébahis. On va essayer de crafter une épée en moins de 3 quarts d'heure. Il est quoi? Il est 10h30. Allez, à 11h, elle est finie. Alors déjà, si c'est bon, ok.
Isoké. Quoi? Oui. Oui, il est disparu. Disparu. Bon bah j'avais du charbon, mais il a... Ok, très bien. Bon bah on va remettre du charbon. Et où la crème? Hop là. Bah sinon du coup vous avez tous maté la présentation de Baldur's Gate 3. Bon je dis ça mais en vrai moi le jeu m'intéresse pas. Hein, j'ai trop vu pour les FPS. Ah bah. Ah, il y a le planning, ah, y a le planning de Speedon qui est sorti. Enfin, j'allais voir ce qu'il y a. Ouais. Donc voilà, donc là, on est en train de faire fond, enfin en train de faire chauffer le minerai pour pouvoir le travailler après. Regardez, hop là, on le met là, tac, 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 et c'est parti. Je me cherchais s'il y a une émoticône qui vomit pour Baldur's Gate 3. Ah ouais, mais carrément. Après, moi je sais que j'y jouerai pas, parce que de toute façon, moi j'ai clairement pas le temps. Après, j'avais bons souvenirs quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, Baldur's Gate. Après, clairement, ouais, maintenant j'y jouerai pas. Vraiment, vraiment pas le temps, et puis même l'envie en fait, c'est plus. J'avoue que les RPG maintenant. Enfin, en fait, les RPG en jeu vidéo, j'ai vraiment du mal maintenant. Autant j'adore toujours autant les RPG papier, autant en jeu vidéo, à chaque fois, ça me frustre. Hein. Bah, c'est du tour par tour plus ou moins en temps réel, quoi. Enfin. Ah voilà, c'est pas actif. Ouais. Full tour par tour, non. Enfin, j'en sais rien. Enfin, là, peut-être que. Là, du coup, c'est full tour par tour, celui-là. Vu que c'est rien de rien, d'accord, ok. Alors, moi, si Krimi le dit, c'est que c'est vrai. Hein, pas... Et pourquoi ça. Allô, je peux avoir la température ou pas? Non, je peux pas, ça marche plus. Pourquoi il me. Pourquoi le thermomètre ça marche pas là? Putain. Ah, la pire identité pour moi, c'est non. J'ai vu le trailer de Tales from the Loop. Ça a l'air bien cool. Moi, bon, c'est sur Amazon, hein, mais.
Oh, on est presque bien là. On est presque bien. Allez, un petit dernier coup. Le jeu de Lauriane, c'est tour par tour, d'accord. Tell From Loop, quand j'ai vu, il y a le JDR qui était sorti, c'était l'année passée, je crois, il y avait un Kickstarter ou Ulule, je sais plus trop. Et j'avoue que ça m'a fait donner envie, mais bon. Say and sub and condavi and Suberon. Oh là là, magnifique. Sincèrement, combien c'est bon, putain. Vache. Ah merde, attends, c'est bon, stop. C'est quoi ce 3DR, mon pseudo? On voit pas. Ah ouais, c'est vrai que là, tu t'es fait fumer. Alors, hop, là, on met ça là. Tac. Hop, là, on va. Ah merde. Ok, très bien. Bon, pourquoi pas. C'est exactement ce que je voulais faire. Trop chaud, il faut la tenaille. Bon, attends. Bon, attends, je vais te mettre là et puis voilà. Alors, du coup. Trop cher. Ouais, d'ailleurs, du coup, avec les bits, maintenant, il y a des. Il y a des emotes. J'ai pu mettre des emotes. Il y a trois personnes qui sont éligibles apparemment. S'il faut qu'il y ait au moins 1000 bits ou un truc comme ça. Donc mais je sais même pas qui c'est en vrai. Tac tac tac, tout ça c'est bon. Et Otaz. Pourquoi il me l'a pas. Allô? Voilà. Alors, tac. Bah, merci beaucoup pour le follow aussi, Jean-Georges. Mais t'étais déjà follow, c'est. D'accord. Ah, mais j'ai peut-être le truc seulement maintenant. Ouais. Allez! Ah, bah si, tu les as du coup. La date Grim Dawn, il veut pas. Ouais, il y a une update des Grim Dawn. Ouais. Avec plein de trucs de prévu encore dans pas longtemps, comme d'hab, quoi. Ah, toi aussi, tu peux. Pas si mal. Mal tapé là, non? Ouais, 65. Dommage pour le dernier. Ok. Voilà, donc là j'ai fini mon épée, hein. Je suis plutôt content. On l'a fait vite, bravo. Bravo champion. Donc là on peut la poser là, voilà, donc là j'ai un. Hit quality overheat, mais Tara moi overheat. Excellent, voilà, une forge excellente. Un grain very bad, je sais pas ce que c'est, handle bad, handle cheap. Ok. Bon, on va pouvoir attendre de voir s'il y a des. Allez, venez les clients. Par contre, du coup, c'est quoi ce jeu? Bah, voilà, c'est Fantasy Blacksmith. Bon, en gros, tu joues un forgeron qui va. Au début, tu vas pouvoir forger les épées, puis au fur et à mesure, tu auras des nouveaux trucs à faire. Sachant qu'à terme, tu vas pouvoir aussi enchanter les armes et tout, mais. Mais je t'avoue que c'est tellement chiant que je compte pas aller jusque-là, quoi. Voilà. Tu as acheté une pioche avant d'aller aux mines. Une fois qu'elle sera disponible, achetée, elle sera rattachée en permanence au personnage. Tu peux sélectionner là. Mais comment on fait pour aller aux mines? On peut pas pour l'instant, je pense. Ouais, pour l'instant, j'ai que le village, j'ai pas que ça d'autres trucs, quoi. Parce après, du coup, tu peux aller miner. Tu peux aller miner ton propre, tes propres ressources. Hein. Mais là, en gros, le seul truc que je peux faire, c'est. Ouais, à peu près à l'intérieur, après, je pense peut-être me faire des bâtiments. Enfin, pas des bâtiments, mais des.
Mais bon. Ah, mais au fait, j'ai gagné des. Ah, mais je suis con, j'ai complètement oublié de. Ah, mais je sais pourquoi le maire de l'épée. Oh, je suis en blaireau. J'ai complètement oublié de la passer dans la meule. Mince. Est-ce que je peux encore le faire ou pas? Ou c'est trop tard? Ah, j'ai complètement oublié d'aller. Ah, ouais, bah voilà, on peut. Ah voilà, ça sera déjà mieux là. Parce que je me disais, tiens, c'est quand même bizarre que ça soit aussi nul alors que j'étais plutôt content, j'ai réussi à peu près les trucs quoi. Ah voilà. C'est quand même vachement mieux quoi. Enfin, c'est vachement mieux. Moins nul quoi. C'est 98 quoi. Version viking, des recettes de plus en plus dures, j'aime pas trop en vrai. C'est trouver ceux qui vont à la mine, le premier prend la pelle, le deuxième prend la pioche, qui prend le troisième. Very bad, not good, ah, c'est vachement mieux. Ah, c'est mieux quand même. Il prend la tête! Bah, du coup, y a personne là. Allez, les gens, faut venir là. Ah voilà, toc toc toc, attendez. J'ai des gens. Oui, bonjour. Hello, can you assemble my blade with the hand? Ah mais d'accord, mais elle me fait confiance. Oh, 65. 75, mieux. Elle va pas être déçue du résultat. Ah non, mais en vrai, faut que je tape tout en haut. Je crois qu'il fait que je. Non, celle-là. Non, soit à la ligne, je pense, faut que je tape. Ouais. Quoique. Thank you, master. Pas de soucis. Te plaît des forgerons. Ok. Je suis très content. C'est pour mettre la pression qu'ils font ça ou comment ça se marche? Alors, et après voilà, après on a des points d'expérience qu'on va pouvoir mettre dans extraction, forgeage, affûtage, assemblage. Voilà, donc là pour l'instant je suis à 4 sur 15 en réputation, donc pour passer niveau 2. Voilà. Ah non, j'ai 4 points de compétence. Non. Non, j'ai 1077 de répute. Putain, je comprends rien. J'aimerais bien juste vendre cette arme là, histoire d'être tranquille. Et puis. Moi, je pourrais la vendre en appuyant sur U. Mais. Bah, tout est tourné comme Farming Simulator. Bah, clairement. Hein, clairement. Là, tu commences avec ton. Tu commences avec ton petit lingot de. D'Iron ou autre, et à te faire la plus belle épée, quoi. Bon, ils veulent pas venir, les gens là. Tout à l'heure, il y avait des gens qui voulaient des épées et tout, là. À moins de 300 boules. J'en ai maintenant. Bah, c'est vrai, je pense que pour l'instant, je peux en faire que les épées. Bon, après, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de textes hein, de partout. Enfin, il t'explique plein de choses, mais. Forging, le tempering. Ah merde, c'est ça quoi. Après, en forger à lame, il faut la tremper. Prends la lame chauffée et plonge-la dans l'huile bouillante. Je veux savoir, hein, c'est ça qu'il faudrait. Hein. Ah, d'accord, en fait, c'est ça où j'ai foiré quoi. Ok. Et après, il faut effuter. D'accord, ok.
Ok, ouais, donc en gros, une fois que j'ai fini mon truc, il fallait que je la plonge là-dedans. Dès que la flamme était éteinte, il fallait que je la sorte pour la plonger là. Ouais, bon. Mais c'était bien, non, mais je vais arrêter là. Je vais juste vendre l'épée là, si. Bon, au pire, on va la vendre avec U, puis sera fini. Hein. Ouais, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon. J'avoue que. Poum, voilà, j'ai gagné de la répute, des skill points. J'ai trouvé un nouvel endroit. Ah, de nouvelles boutiques et de nouveaux objets sont disponibles. Voilà. Mais du coup, les skill points, je sais pas trop. Puis ça, j'ai 7 points de compétence. Bon, on les met comment les points de compétence? Ah non, mais saute de ma gueule, depuis tout à l'heure j'attends quelqu'un, là il n'y a plus personne. Enfin. Oups, je suis tombé. Oui, bonjour. Mais bien sûr, pas de soucis. Allez, c'est parti. Boum. 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 Pas terrible ça. Mince. Si mal. Contrôle, ouais, mais contrôle c'est compliqué. Coup d'épée, nana, fais un pas, nana, accroupir, tanaï. La fichier d'argent, elle a répute, mais il n'y a pas de menu du personnage, c'est Y, quoi, donc non, c'est là où j'étais. Hein. Après, c'est peut-être qu'en gros, il faut que tu aies 15 points de compétence pour gagner un niveau. Peut-être comme ça que ça marche, quoi. Encore quelqu'un qui fait toc 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 là? Oui? Non? Ah non, c'est juste que moi qui en descendant, ça fait toc toc toc. Alors, c'est quoi les autres trucs là? Town. Alors, forge intérieur. Du coup, en forge, il y a quoi? Ils ont de l'iron. Donc, il y a de nouveaux types de guerres et autres. Ah, je peux acheter une pioche. Et avec ça, je peux aller dans les donjons. Ah, on va acheter ça. On est sur une top tier, j'avoue que lui elle est pas mal quoi. Après, vu que le jeu il est pas fait pour être en français, à mon avis, ça aide pas non plus à ce que les éléments se combinent harmonieusement quoi. Je sais pas si je vais avoir accès directement aux mines avec ma pioche ou pas, je pense pas en vrai. Et encore 20 secondes. Bon après, j'aurais tenu quand même pas mal, hein, parce que si au bout de 10 minutes, je voulais déjà tout cramer parce que je comprenais rien. Ok, voilà, bon moi j'ai la pioche, mais... Tic. Tic. Après, on peut baisser lui. Enfin, je crois. Ou pas. C'est pas ça? Échelle de résolution. Ça a rien fait. Ok, bon bah, ou pas. Ouais, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, et ben voilà, hein, c'était Fantasy Blacksmith.
Après, hein, je pense qu'on débloque des autres trucs, hein, mais je vous avoue que ça me. C'est pas vraiment la hype, hein, quand même. C'est pas. Puis tout est chiant, en fait. C'est surtout ça, en fait, le vrai problème, quoi. C'est qu'a priori, il faut crafter beaucoup pour monter de niveau. Mais tout est pénible, quoi. Le temps de mettre. Tu fais chauffer là, tu reviens là, tu mets des coups de marteau, mais bon, c'est pas vraiment. C'est pas super, super amusant. Après, t'as le truc, tu mets là. Enfin, t'as aucun mini-jeu qui est un peu sympa, quoi. Donc, Et ben voilà. Et ben, je suis bien content d'avoir testé. il est quoi? Il est 11h moins 10. Il y a raison d'acceptance de ce jeu. Ah, tu sais, il y a des fois, on sait pas, on hésite, on se dit tiens, pourquoi pas, peut-être que. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, hein, comme je dis toujours. Hein, bon, bah là, la bonne surprise, on l'a bien esquivée, mais.